Le Tour du Limousin aura bien lieu cette année. Les organisateurs en faisaient la présentation à la Maison régionale des sports du Limousin. Asseyez-vous et gardez vos distances, bien sûr. On va vous présenter cette édition. Le rendez-vous est donc pris du 18 au 21 août. Quatre étapes sont une nouvelle fois au programme, avec un grand départ à Couzeix et une arrivée à Limoges le 21 août. 20 équipes y participeront parmi les meilleures françaises. La première étape entre Couzeix et Évaux-les-Bains proposera des difficultés étalées aux coureurs. Direction la Dordogne pour la deuxième étape qui reliera deux bases de loisirs entre Roufiac et Grand Étang de Saint-Eustèphe. La troisième étape s'élancera à l'assaut d'école corrézien entre Ussac et Chamberet. La quatrième quant à elle partira de Saint-Pardoux pour se terminer par la traditionnelle boucle autour de Beaublanc. L'ombre du Covid-19 planant toujours sur la compétition, l'organisation du Tour du Limousin s'est adaptée avec un protocole strict. Pas d'accès aux coureurs avant et après chaque étape, pas d'autographe, pas de selfie. Un programme qui devrait générer quelques frustrations côté public. Celles-ci sont nécessaires au maintien de la compétition. C'est compliqué à mettre en place, c'est compliqué également pour le public parce qu'ils avaient l'habitude de côtoyer les coureurs, ils aimaient bien venir pour pouvoir être au plus proche de la course et tout. Bon, ils seront légèrement éloignés, mais je ne pense pas que ça les freine parce qu'ils sont vraiment en attente du départ du Tour pour venir nous soutenir. Cette édition du Tour du Limousin si particulière rendra hommage à Raymond Poulidor, décédé le 13 novembre dernier. Je crois que vous avez tous découvert l'affiche. Nous voulons qu'il nous accompagne encore cette année. Et j'espère que là-haut, il nous surveille et puis qu'il pense que nous allons faire du bon boulot. Il n'aurait pas été pour jeter la cognée. Pour lui, le Tour du Limousin devait exister. Je suis sûr qu'il approuve pleinement ce que l'on fait. À Limoges, le 21 août, en plus du maillot jaune, le vainqueur recevra un trophée Raymond Poulidor, trophée en porcelaine, évidemment.